Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous parlons ce soir d'un sujet donc qui touche, ben, comme généralement vous et moi. Nous posons une question à laquelle il serait bien que vous essayiez de trouver réponse également chez vous. Vous savez, les réseaux sociaux sont connus pour être envahissants, pour être vraiment absorbants. La télévision s'y rajoute avec ses programmes feuilletons, sport, et que sais-je encore, des parasites, de vrais parasites qui fragilisent finalement le couple. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qui fragilise votre couple? Il est important de vous poser la question et de savoir quelle approche de solution trouver, quel est votre rapport avec votre téléphone. Vous-même, posez-vous la question, quel est mon rapport avec mon téléphone? Quel est le rapport de votre partenaire avec son téléphone? Est-ce que l'un d'entre vous a un ami, parce que ça peut être aussi un ami ou un programme de ce genre qui prend le pas sur les moments de convivialité, les moments d'intimité que vous devriez partager ensemble? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec des spécialistes. Vous m'avez fait plein de témoignages, mais c'était compliqué pour vous de venir témoigner en direct, comme souvent. Je m'en irai vous présenter mes invités dans quelques petits instants. Juste vous dire que cette émission, vous la suivez donc en direct sur la télévision togolaise. Vous pourrez réagir par Facebook sur la page de l'émission Jeudi Femmes, ou alors encore nous envoyer vos réactions par WhatsApp au 70 46 37 37. Merci de rester avec nous. Le numéro va s'afficher dans un instant au bas de l'écran, juste ici. Qu'est-ce qui parasite votre couple? On en parle ce soir. Merci de nous suivre. Alors, sur le plateau, nous avons Madame Kosiwa Passia Atsu, épouse Abolo Seovi. Merci de partager la réflexion ce soir dans le salon de la femme. Ça fait quand même un bon moment. On vous a pu retrouver dans ce salon. Merci de revenir chez vous. Tout le plaisir est pour moi, Alice. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, vous êtes psychologue, vous êtes coach en développement personnel et vous êtes gestionnaire de ressources humaines. Et la question posée vous intéresse à plus d'un titre. Oui, bien sûr. Parce que les couples, ça les, on va parler de tout ça au cours de l'émission. Et quand ces éléments créent des conflits dans les couples, il faut savoir le gérer. Et les gérer, monsieur Guy Kokouariagnon. Bonsoir et merci de partager la réflexion avec nous. Bonsoir, madame. Vous êtes formateur en gestion de conflits. C'est ça. Et vous nous aviez confié, il y a quelques semaines déjà, que les tactiques de gestion de conflits, les stratégies de gestion de conflits s'appliquent un peu partout de la même manière, aussi bien dans le couple qu'ailleurs. Oui. Et vous partagerez certains avec nous. Si l'occasion se permet, ce sera avec plaisir. C'est ça. Alors, on va dire commencer par dire ce que c'est que le conflit pour le couple, monsieur Ariagnon. Qu'est-ce que le conflit pour un couple? D'abord, le conflit, de façon globale, c'est la rencontre de deux éléments qui s'opposent. Et pour le couple, c'est que on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et la façon d'aborder cette opposition, c'est ça qui va vous permettre d'être à l'aise ou pas. Donc le conflit, au fait, c'est notre façon de voir les choses par rapport à l'autre si ça ne va pas dans notre intérêt. C'est-à-dire, je veux la chose d'une manière donnée. Je perçois la chose d'une manière donnée. Et l'autre aussi perçoit d'une autre manière. Ce sont des L'autre a perceptions. toutes ses raisons aussi de Oui, percevoir. tout le monde a raison. Maintenant, pour trouver un moment d'entente, c'est que il faut amener ces deux approches pour pouvoir comprendre, que chacun comprenne l'autre. Et le plus souvent, c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Pourquoi? Parce que cela dépend de beaucoup de choses. C'est parce que nous sommes différents. Dans le couple, et l'homme et la femme sont différents. Je suis homme, elle est Elle est femme. femme. À partir de là, Déjà, déjà, à la base, il y a une il y a une différence. origine du conflit. Il y a l'éducation. On vient de milieux Il y différents, a, des on backgrounds vient différents. des milieux différents. Par exemple, chez elle, quand on parle à quelqu'un, on ne regarde pas
fait figure, on doit baisser la tête. Alors que chez le monsieur, si tu baisses la tête, c'est que c'est signe d'impolitesse. C'est impoli. Donc, tout cela fait que dans les situations conflictuelles, il y a cette opposition qui fait qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu si on ne communique pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas éviter cela. Mm-hmm. Le conflit est inévitable. On vit avec. Et si nous comprenons cela, ça veut dire qu'il suffit de l'accepter dans la vie et de savoir tirer parti en sachant que le conflit n'a pas seulement des aspects négatifs. Okay. Le conflit joue un rôle très important. Il a des fonctions à jouer dans les relations humaines. Ça permet de redéfinir les relations. Peut-être au début, vous vous avez dit, si ceci arrive, nous allons nous comporter de cette manière donnée. Et le temps d'évoluer, vous arrivez à constater, par rapport à cette confrontation, à cette opposition d'idées, à voir que non, on peut changer cela. C'est seulement le conflit qui vous permettra de remodifier les relations et de définir d'autres relations. Voilà ce que je peux dire pour le moment. C'est pour ça, le conflit. Par rapport au conflit. Et puis dans le couple, oui, vous reconnaissez, quand on finit de gérer un conflit, les suites de conflits sont très intéressantes. Ah madame, oui, ah oui. Ah comment oui, oui, les suites de conflits sont très intéressantes. Madame la psychologue, alors pour vous, c'est quoi le conflit pour le couple, au-delà de ce que M. Ariagnon a dit, des précisions, des ajouts aussi? Oui, ce serait un ajout. J'irai dans le même sens que M. Ariagnon. Je vous dirais, selon les sciences sociales, le conflit est une situation d'opposition entre des personnes ou entre des entités. Il est souvent chargé d'émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse, la rancune ou même la haine. Il est souvent agressif ou violent. Dans un couple, le conflit, je dirais qu'il est bien, sinon même normal, parce qu'il permet au conjoint de se connaître pour mieux vivre. C'est ça. Le conflit, il est un couple qui ne connaît pas de situation de conflit. Il y a l'un ou sinon les deux conjoints sont des hypocrites. Ah le oui. conflit ah oui. permet à la relation de se consolider. C'est ça. En fait, c'est la rencontre de deux personnalités différentes oui. qui ont des opinions différentes. Qui donne ce clash. Donc, si ça n'arrive pas, c'est que quelqu'un ou alors quelqu'un les deux... Quelqu'un est hypocrite. Il y a l'hypocrisie dans la relation. Oui, ça non, leur sérieux. Permet de se consolider, la relation. Attendez. Une relation, un couple qui ne se chamaille pas, c'est hypocrite. C'est hypocrite. C'est en bon. Ah oui, oui. Donc, il tolère, c'est-à-dire qu'il gère l'humeur de l'autre. Il subit. Oui. Il y a peut-être un qui subit. Et forcément, ils vont avoir celui qui subit va avoir un exutoire. Moi, je vous dirais que l'homme ne dévoile sa vraie personnalité que quand il est en colère ou sous pression. Mm-hmm. Donc, le conflit fait sortir la personnalité, la vraie personnalité des conjoints. Et ça leur permet de se connaître. Lorsque le conflit n'est pas excessif, trop agressif ou brutal, je vous dirais que c'est une bonne chose. C'est positif pour c'est le positif couple, ça permet d'avancer. D'avancer. Yaouma. Oui, oui. Le sociologue, la fois passée, avait dit que chaque 3 mois, il faut qu'il y ait un conflit dans le couple. Il a même donné prescription. Ça permet effectivement de mieux se connaître, de voir l'autre côté de la personne et de savoir comment l'aider. Parce que c'est important. Si vous vous cachez des choses, vous ne pourrez pas vous aimer sincèrement. Mm-hmm. Parce que l'amour, c'est... Et le bon côté et le mauvais côté qu'on aime. Il faut accepter le mauvais côté et aimer ce qui est bon chez la personne. Donc, s'il te cache le mauvais côté, comment tu vas pouvoir l'aimer sincèrement jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se passe pour qu'on sente que oh, ce couple qu'on considérait, c'est parce qu'ils se sont cachés les choses pendant longtemps et à un moment donné, ça a dépassé, ça dépouche parce que le conflit, nous parlons du fait qu'il faut prévenir le conflit, mais on ne peut pas. Parce que quand j'avais déjà dit que le conflit est inhérent... C'est consubstantiel à la cohabitation. Donc, quand on parle de prévenir le conflit, c'est seulement pour prévenir le côté violent. L'intensité de la chose. C'est tout. Donc, quoi faire pour arriver à éliminer ce côté violent? C'est ça qu'on met dans la prévention de conflit.
Et il a dit, elle a dit tout de suite, on a besoin des conflits pour évoluer normalement. Ah ben donc, un couple qui n'a pas eu de conflit depuis au moins, il faudra créer. Non, il ne faut pas le créer. Mais la meilleure façon de voir quelqu'un dans sa vraie personnalité, c'est de le découvrir en colère ou sous pression. Quand vous pressez une orange, il en sort du jus d'orange. Oui, c'est là où est le goût du jus. Quand vous pressez une personne, vous voyez sa vraie personnalité. C'est vrai, c'est clair. Alors, quand vous nous dites ça, ça m'amène peut-être, puisque les conflits, on sait qu'on va les gérer, on va les rencontrer tout le temps. Et là, vous nous dites de plutôt le prendre sur le côté positif. Quelle attitude alors avoir, ou alors quelle question est-ce que l'on devrait se poser devant les situations conflictuelles dans le couple, Madame la psychologue? Déjà, quand on est en face d'une situation conflictuelle, il faut se poser la question de savoir quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que quand il y a conflit, les parties prenantes, tous ceux qui sont impliqués dans ce conflit ont une part de responsabilité et ils doivent aborder des stratégies qui vont leur permettre à l'avenir d'éviter ce genre de choses. Et les différentes étapes que je peux vous donner ici, qui vont vous permettre d'éviter ou de mieux gérer un conflit, c'est que, premièrement, lorsqu'il y a conflit, il faut éviter d'être trop impulsif. Il faut éviter l'impulsivité, autant verbale que physique. Le verbal, lorsque vous êtes impulsif verbalement, vous blessez la personne. Alors que les paroles que vous dites ne peuvent pas être reprises. Et le dégât que ça cause, vous ne pouvez pas le réparer. Le conflit, lorsque l'impulsivité est physique, ça crée des dommages au niveau de la santé. Ça peut même aller jusqu'à la mort. Ouais. Je ne vous en dis pas long. Deuxième étape, il faut éviter d'aggraver la situation, d'amplifier le cas. Et on va dire... la fois dernière, tu avais fait la même chose. On relie ça à un événement passé pour amplifier la situation. Ça fait que ça ne finit jamais. On se fait tout un film, on fait des développements, plein de scénarios qui viennent. Oui, c'est pas On relie le conflit présent à des scènes passées. Ça fait que ça s'amplifie, ça ne finit jamais. Le conflit doit être géré en privé. Il n'y a pas question, il n'y a pas besoin d'alerter les parents, les amis, le quartier. Mon mari a fait ci, ma femme a fait ça. Lorsque c'est géré en privé, on y trouve plus facilement des solutions et le conflit reste entre vous. Quand ça finit entre vous. Alors que quand c'est amplifié, quand ça finit chez vous, ça continue chez les autres et ça revient. Donc ça, c'est comme un boomerang. C'est pas fou. Oui. Et pour gérer le conflit, je crois que la communication dans le couple doit être gardée ouverte. Ça permet à l'un et l'autre de s'expliquer, de comprendre pour résoudre le problème. Oh non, c'est quand on a des problèmes qu'on se fait la tête, qu'on ne se parle pas. On se parle quand pas. Tu parles à l'autre, c'est comme si ton cœur est calmé déjà, quoi, que tu lui as pardonné. Donc, on se serre à la mine comme ça, on se dépasse, on est transparent. L'autre est transparent, en fait. Alors que vous nous dites que c'est la communication. Il faut plutôt ouvrir la communication. Ça permet de résoudre les problèmes. S'il y a incompréhension, la communication vous permet de faire l'état des choses et de mieux vous expliquer. Quand il y a compréhension, je crois que le conflit est dissolu. Et puis, vous dites de ne pas faire intervenir de tierces personnes, ce n'est pas toujours évident dans certains couples. Il faut toujours faire recours à quelqu'un, M. Ahiagnon. Oui, ce quelqu'un ne doit pas venir tout juste au début du conflit. C'est pour cela... Il vient à quel moment? Non, c'est quand vous êtes dépassé, vous ne pourrez plus. Donc il faut essayer. Il faut régler vous deux. Il faut régler vous deux. C'est jusqu'à un niveau où vous ne pourrez plus. Vous pouvez, moi je conseille même de faire appel au psychologue que d'aller voir les parents. Parce que l'amour paternel et maternel fait que on n'arrive pas à juger ou bien à aider de façon objective. Objectivement. Donc c'est mieux d'essayer vous-même. C'est pour cela. Très tôt, il faut un système de communication paisible à la maison. Vous traitez de tous les sujets. Ne cachez pas des choses l'un à l'autre. Si vous avez un système de communication bien développé, quel que soit le problème, vous allez en parler. Et ça, c'est le premier niveau. Maintenant, elle a parlé du fait qu'il ne faut pas
comment l'appelle-t-on, se précipiter dans la gestion du conflit. C'est vrai, parce que nous devons être calmes. Ça, c'est très important, parce que quand on est énervé, le ton de la voix aussi peut encore blesser. C'est clair. Les gestes, les mots, sortir, les fermer la porte, ça réveille quelque chose en l'autre et vous aggravez la situation. C'est mieux même quand ça commence de se calmer et de patienter. Des fois, quand vous arrivez à le faire, vous allez voir que c'est votre conjoint qui viendra vers vous après, quand il sera calmé. Donc, ce que vous dites, c'est quand même des exercices à faire en amont, oui, avant de le mettre en application, parce que là, ce que vous dites, on ne se lève c'est pas dans le meilleur des cas, oui. Dans le meilleur des mondes possibles, ça. C'est pour cela qu'il faut se préparer avant d'entrer dans la vie à deux. Okay. Ce que nous avons dit au début, que le conflit est là parce que nous sommes différents, parce que nous avons différentes formations, différentes éducations. Donc, nous devons apprendre à nous connaître. Et si aussi on peut arriver à se faire aider dès le départ pour connaître nos tempéraments, nos personnalités, nos blessures d'antan, on règle 50% des choses. Mais malheureusement, on aime, on saute dedans et après on commence par rencontrer. Par se découvrir, on s'est dit, je ne savais pas que c'était comme ça que tu étais. Voilà. Il y a une femme qui me dit que le mariage, c'est le seul examen où on a le diplôme avant de commencer les épreuves. C'est ça, ouais. Oui. Ben, elle a bien résumé. Ça, c'est donc, pas fou. Donc, c'est important qu'on ne blague pas avec la préparation du mariage, qu'on ne saute pas dedans n'importe comment, parce que chacun vient avec son bagage. Je disais à un couple la fois passée que dans le couple, vous êtes quatre. Ton conjoint avec son enfance, qui ne se fait pas voir, oui. Toi aussi, et qui vont surgir de temps en temps à chaque fois qu'il y a un petit problème. Donc, quand vous avez réussi à discuter, à communiquer sur vos passés, cela vous aide. Quand ça va arriver, l'autre comprend que... Ah, elle réagit comme ça parce que oui, c'est voilà, pas faux. Et cette personne va vous aider. Oui. Mais si vous le lui cachez, vous allez réagir. Ceux qui tapent, c'est par rapport à quelque chose. Certains, c'est seulement un mot que la dame a prononcé. Ça lui a rappelé certaines choses et il réagit. Et il est incontrôlable. Voilà. Donc, c'est mieux qu'on communique beaucoup sur nos passés pour entreprendre de bonnes relations dans le couple. Donc, c'est bien mieux que l'on se connaisse. Ah oui. Là, récemment, dans une émission, un invité nous disait il faut se connaître soi-même et connaître l'autre. Oui. Il faut se connaître soi-même. Se connaître soi-même, ça peut paraître bizarre, mais je me dis que nous ne nous connaissons pas vraiment. Il faut école. Que l'on s'asseye. C'est une école. Comment on fait ça? Tu te poses des questions à toi-même et tu te réponds. Tu poses des questions. Et tu te réponds. Oui. À force de voir les comportements de l'autre, à force de le côtoyer, de l'écouter parler, tu te poses des questions et tu te réponds. Et sûrement que tu auras peut-être des réponses fausses, mais par la suite, tu auras les bonnes. Si tu veux être honnête envers toi-même, tu reconnaîtras quand même les vérités à côté. Devant certaines choses, tu te dis, si c'était moi, est-ce que je peux? Et là, tu dis, moi, je ne peux pas supporter ça. Donc, tu te connais, tu sais que si ça t'arrive, tu vas réagir de cette manière. Et donc, à certaines occasions, tu cherches à te mettre à la place quand la chose se passe quelque part pour voir comment tu vas réagir. Ça te permet de te connaître et de corriger, de commencer par faire des efforts sur toi. Et si jamais ça arrive, pour que tu puisses comprendre que, si je ne fais pas attention, je vais. Et donc, tu te retiens pour adopter la bonne manière. Donc, finalement, quand on se réveille le matin, qu'on s'apprête pour aller au boulot, qu'on s'apprête à faire nos activités, etc., etc., ce n'est pas que ça que l'on doit faire sur Terre. Il faut que l'on fasse autre chose. Il faut que l'on consacre du temps à soi. Pour se connaître, il faut que l'on consacre du temps à connaître l'autre. Il faut que l'on consacre du temps à travailler, à anticiper sur des conflits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit surpris par le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, quoi. C'est beaucoup de travail. Ah oui.
Non, mais il ne faut pas le voir sous l'angle de beaucoup de travail, mm-hmm. parce que c'est quelque chose que tu ne consacres pas toute ta journée à faire. Oui. Mais dans ton quotidien, ça va de soi, quoi. Et puis, puisque ça impacte aussi sur les relations hors couple. C'est-à-dire, mm-hmm. c'est une attitude de vie que tu vas adopter. Si tu te découvres certaines qualités, certains défauts que tu améliores, ça n'améliorera pas que ta relation. Ça te permet d'avoir de la maîtrise pour affronter d'autres situations c'est ça. Après. Oui, c'est clair. Je voudrais insister sur un aspect qu'elle avait exposé avant. C'est comment l'appelle-t-on ? Ne pas exagérer. C'est-à-dire, quand la chose arrive là, ne pas généraliser. C'est ça. Dire, ah, c'est comme ça que tu as fait la fois passée aussi. Ou bien, c'est comme ça qu'on m'a dit. Les hommes sont toujours... Quand vous traitez les choses de cette façon, vous allez à chaque fois avoir des problèmes. Et ça blesse aussi. Parce qu'à chaque fois que vous le dites, vous provoquez l'autre. Et il va réagir. Donc, cette réaction... Faisons un effort pour l'éviter. Pour l'éviter, oui. C'est ça. Oui. Alors, à chaque conflit, peut-être aussi ne pas systématiquement y voir un problème qui va entraîner peut-être à une séparation, à une rupture. Mais devant chaque conflit, peut-être être plus dans l'attitude de la construction, de la réparation que de la fatalité du « c'est un conflit, on se quitte, ça, c'est fini », etc. Peut-être aussi faire ce travail sur soi. Et je vais revenir sur un point. Lorsqu'il y a conflit, il ne faut pas tout de suite indexer l'autre. C'est toi le coupable, c'est toi qui as créé. Il faut se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour faciliter, pour activer. Qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement pour que cela ne survienne pas? Il ne faut pas automatiquement indexer l'autre, sinon le conflit ne finit pas. C'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Le conflit ne finit jamais parce qu'il est toujours coupable et il va toujours chercher à se justifier. Il va toujours chercher à se justifier, c'est ça? Oui. Mais quand tu te retournes la faute, qu'est-ce que moi j'ai fait? L'autre, lui aussi, il fait la même chose. Et vous voyez que les intérêts sont divisés. Les intérêts vont de côté autre que de se rassembler pour faire le conflit. C'est ça. Le dernier aspect, c'est pour l'attitude à tenir, c'est apprendre à présenter ses excuses. C'est quand vous réglez le problème, arrivé à un moment, tu sais que c'est toi qui es fautif, il faudrait que tu fasses cet effort. Malheureusement, les hommes n'arrivent pas à faire. C'est les cadeaux qu'on amène. C'est l'attitude qui change. Voilà. Et quand la femme va te le rappeler, tu dis, oh, toi aussi, tu as encore gardé ça, il faut laisser ça. Ça veut dire que... C'est une manière de présenter les excuses. Mais le fait, non, il faut le dire. Il faut apprendre à le dire. Il faut apprendre à le dire, c'est important. Je suis désolée, mes excuses. Voilà. C'est simple, je suis désolée. Ça a de l'effet quand même. Hein. Ça a beaucoup d'effet. C'est réparateur. Ça console l'autre. L'autre. Et ce n'est pas seulement l'homme qui doit apprendre à dire « je suis désolée », c'est également... Généralement, les hommes, c'est les hommes qui n'arrivent pas. C'est les hommes qui n'arrivent pas. Je ne sais pas si c'est un problème d'éducation, mais les hommes n'arrivent pas. C'est comme si ils sont rabaissés. Ça les rabaisse. Voilà. Alors que c'est grand. Oui. Ça vous anoblit plutôt que de pouvoir se dire toutes mes excuses, je ne savais pas. Des fois aussi pour éviter les soucis, quand on voit que le bout du tunnel n'est pas pour quand on va continuer par se tirailler, c'est moi, c'est toi. Quelqu'un peut se décider dans le couple à dire, ok, c'est bon, laisse tomber. C'est arrivé à un mes couple excuses. Où l'homme a demandé... Pardon, la femme a pleuré. Ah ouais. Elle a été émue. Émue. Ah ouais. Elle ne s'y attendait pas. Non, c'est fini. Alors qu'elle était blessée, effectivement. Ah ouais. Mais le fait que le lendemain, l'homme est venu vers elle pour dire ce qui s'est passé la fois passée, c'est moi. Donc, pardonne-moi. Ça calme, c'est vrai. C'est important, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend et il va falloir que nous apprenions ça. Alors, on a planté le décor avec le conflit pour en venir à ce qui cause des conflits dans les couples. Donc, on sait que quand le conflit va venir, comment on pourra le gérer, voilà. Et on va quand même encore donner peut-être des pistes de solutions, des alternatives pour gérer ces conflits spécifiquement dont on veut parler. Alors, qu'est-ce qui pirate votre couple? Qu'est-ce qui parasite, je veux dire, votre couple? Nous avons posé la question à quelques personnes qui ont bien voulu nous répondre. On suit leur réponse et on vient juste derrière en parler.
en couple actuellement, c'est d'abord le problème de fidélité, le dialogue, lorsqu'il y a un petit souci, chacun reste dans son coin. Nous avons aussi le problème du respect. Il y a un moment, l'estime de soi qui prend un peu le dessus. Et quand on en vient aux activités, nous pouvons citer comme, évidemment, la chaîne de télé. Madame veut suivre le feuilleton, monsieur veut suivre le football. Lorsque ce moment arrive, ça fait que parfois, on s'échange des trucs qui débouchent à des sujets vraiment pas bien. Alors, je pense que à ce sujet, je peux citer que cela. Surtout côté télé, feuilleton, football. Ça, c'est comme ça, un problème qu'on ne peut pas résoudre. Quand on est là, des fois, même en train de manger, on est là face à face, mais chacun a les yeux sur son téléphone parce qu'il faut répondre à tel ou tel message WhatsApp. Ou bien le week-end, moi personnellement, le week-end, quand j'allume la télé, y a un match, on sait que tout le reste à la maison, personne ne doit parler parce que je suis concentré. C'est de la même manière, quand il y a Hollywood, ou bien quand il y a Novelas, et que la personne est en train de regarder, tu touches à la télécommande, soit on serre la mine automatiquement, soit on te jette des regards. Quand bien même on sait que c'est des choses qui peuvent énerver l'autre, mais bon, sur ce côté, on se dit que c'est des petits plaisirs qu'on peut se faire individuellement et personnellement sans tenir forcément compte de l'autre. Mais après, il faut aussi dire, bon, OK, j'ai fini mon match, je te donne la télécommande, regarde tout ce que tu veux pour le reste de la soirée. Pour qu'un couple soit épanoui, je pense que primordialement le dialogue. Ils doivent s'asseoir et discuter. Chacun doit connaître les centres d'intérêt de l'autre. Chacun doit avoir la vision de l'autre et essayer d'avoir un juste milieu, parce que chacun est venu dans ce couple avec ses propres objectifs. En essayant de discuter, on se dira, bon, OK, moi, je vais dans ce sens, toi, tu vas dans ce sens. Si on prenait ce temps, on pourrait déboucher chacun en essayant de faire la part des choses pour que ça puisse marcher dans le couple. C'est ça. Alors, les parasites du couple, on en parle. C'est beaucoup, beaucoup, peut-être, le téléphone, la télé, hein. C'est ça, madame la psychologue? Oui, on peut parler du stress au travail, c'est aussi un parasite. Ah oui. La fatigue, la perte de patience avec les enfants, tout ça sont des parasites de couple parce que ça vient aspirer l'énergie, ça vient détourner l'attention et ça vient détourner également des objectifs. Ça détourne le couple des objectifs. Un couple ou une relation saine, c'est une relation où les deux partenaires s'entraident l'un l'autre. Lorsqu'il y a un seul qui est satisfait et servi, il y a une relation parasite. C'est ça. Monsieur Ariagnon ? Oui, quand nous parlons de parasite, c'est ce qui vient mettre des grains de sable dans vos relations. Le téléphone, son bon usage peut aider. C'est-à-dire, si vous avez vos relations et que quelqu'un voyage pour une semaine, deux semaines, le téléphone peut vous aider. Il est important. Parce que quand la personne quitte, vous êtes en train de réfléchir, est-ce qu'elle est arrivée, est-ce qu'elle va arriver? Et quand elle vous appelle, je suis bien arrivé, ça vous calme. Mais le même téléphone, utilisé d'une autre manière, peut être ennemi et peut créer d'énormes problèmes. Tout dépend de la gestion de cet outil qu'on met à notre disposition. Et moi, ça me fait peur. Nos enfants, maintenant, même s'ils mangent, ils ont leur téléphone allumé. Les enfants, on est à table avec papa, maman, tout le monde, mais on a le téléphone allumé. Tu vas dans certaines familles, chacun, ils sont au salon, mais chacun est sur son téléphone. Là, peut-être qu'il y a une famille qui nous suit, qui suit l'émission, mais chacun est sur son téléphone, papa, maman sur le téléphone, les enfants également, mais ils sont devant la télé. On avait dit que le conflit est important. Il faut qu'un des membres de la famille arrive à exprimer son besoin d'être présent avec les autres. Ça peut au début créer des conflits, des discussions où on ne se comprend pas. Mais plus tard, on avait dit, le conflit permet de réécrire les règles de base, de redéfinir les relations. Il faut que cela arrive pour qu'on puisse redéfinir la relation et vivre ensemble. Sinon, vous allez laisser les relations s'empoisonner jusqu'à ce que l'éclatement suive. On sait le travail que font les parasites. Les parasites, ils vivent sur un corps, ils vivent du corps.
Ils se nourrissent du corps, eux, ils se développent. Le corps peut mourir après, hein. Oui. La relation peut mourir parce qu'on a laissé trop le parasite se greffer sur ce corps-là. Donc, on parlait du téléphone, de la télévision, des jeux, des amis, de la famille. Tout ce qui peut mettre, comme vous l'avez dit, un grain de sable dans l'engrenage de votre couple. C'est ça le parasite. Oui. Ça entrave l'épanouissement et l'équilibre de la relation. C'est ça. Oui. Alors, parlons du téléphone, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Oui. Est-ce qu'il faudrait arriver peut-être à établir des règles d'usage du téléphone à la maison, entre le couple? Est-ce qu'on doit arriver à cela, vous qui gérez les ressources humaines? Je crois que ça doit venir aussi d'une communication saine. Mm-hmm. S'il faut établir des règles et des principes, ça doit venir d'une communication. C'est-à-dire que le couple doit essayer de faire des compromis. À partir de tel moment, nous avons besoin de nous retrouver en famille, nous avons besoin de ta chaleur et nous avons besoin d'échanger. Donc, il faut laisser de côté le téléphone. Il faudrait que ce soit un compromis entre les membres du couple. Sinon... Dans la préparation de l'émission, j'ai effectivement rencontré un monsieur qui m'a dit ça, qui m'a dit c'est vrai qu'à un niveau, le téléphone l'absorbait. Et vu qu'il était là sans être là, la femme aussi était obligée d'être sur le téléphone pour avoir de la compagnie. Pour elle-même. Oui. Et donc, finalement, chacun est sur le téléphone. Mm-hmm. Et que c'est lui qui s'est rendu compte du mal et qu'ils ont adopté des règles. À une certaine heure, personne n'est plus sur son téléphone. Le téléphone est très, très loin, sur silence, et qui se consacre du temps à deux. Et que depuis, ils se découvrent des choses, qu'on se raconte des choses. Et que, voilà quoi, le monsieur parlait, il était vraiment assez émerveillé de ces moments qu'il s'est dit qu'il a raté depuis qu'il se donne le téléphone. Effectivement, le téléphone fragilise la relation. Ça empêche de connaître l'autre, d'échanger avec l'autre pour savoir ce que tu as vécu tout au long de la journée, comment ça s'est passé, est-ce que tu as des projets. Bon, c'est un moment, il doit y avoir un moment dans la journée où le couple ou les conjoints doivent échanger pour se partager des choses, pour s'enrichir en fait. Mais bon... Chose faisante, le téléphone, nous devons apprendre à l'utiliser, oui. Pour qu'un bien ne soit pas, ne fasse pas le mal. Le travail, le mauvais mal travail, après. C'est ça. Même au lit, chacun, on se tourne le dos. Au bon moment, et ça sonne. Ah ouais, ça aussi. Hein? Ça, après un bon moment, voilà, ça sonne. Ça gâte l'élan. L'élan et autres. Non, je parle sérieusement. Attendez. Parce qu'il y a des gens qui sont... À un moment donné, tu comme ça, et puis il est obligé de décrocher, voir. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement accros que si ça sonne, ils doivent prendre. Ils doivent décrocher. Moi, des fois, ça me fait mal quand tu vois les gens à l'église qui sortent pour aller prendre le téléphone. Vous venez faire quoi? Oui. Non, c'est un petit instant que vous consacrez. 1h30 qu'on consacre à Dieu. Oh, non, c'est ici. Et à la maison aussi, c'est la même chose. Le téléphone est tout prêt. Il suffit que ça sonne, là, on décroche. Mais ce n'est pas des urgences vitales. Hein. Non. Très souvent, c'est quand on s'attend même à ce que ça sonne. Ah oui, on est prêt à décrocher. À décrocher, rapidement. C'est des gens qui doivent vous demander des services. À moins que vous ne soyez, par exemple, un médecin ou bien quelqu'un qui est dans un travail qui oblige à ce que vous décrochiez. Mais généralement, ces coups de fil, c'est pour papoter. C'est pas le plus urgent, quoi. Je connais une dame qui a mis les règles au niveau. Elle a dit à ses collègues du bureau, à partir de 18h, ce n'est plus le service. Donc, ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus pour question de service. Donc, au début, ça paraît très bizarre, mais après, les gens ont compris. Oui. On ne l'appelle plus. Ah ouais. Donc, c'est un principe, on dira que la dame, on ne l'appelle pas à 18h. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous le faites avant 18h. C'est ça. Donc, c'est à nous d'établir des règles que nous allons suivre. Vous savez, le téléphone, je l'ai dit au début, peut être ami, peut être ennemi aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des hommes, je ne sais pas si c'est les femmes aussi font, mais des hommes très jaloux qui fouillent le téléphone de leur partenaire. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est important, c'est personnel. Moi, je suis... Ah ben, c'est plus personnel que le corps de la personne que tu fouilles aussi. quand ça sonne et que ma femme me demande, tu peux décrocher, je dis non. Ce n'est pas mon téléphone. La personne sait que quand tu ne prends pas, c'est que tu es occupé. Elle va venir. Tu peux rappeler. Je n'en ai pas besoin. Alors qu'il y a des gens qui
qui sont blessés en lisant ou bien en voyant le numéro, parce qu'ils soupçonnaient. Mmh. Et savoir le numéro qui a fait la une. Ils voient le numéro de la personne, donc à partir de là, là ils changent de mine et la situation devient invivable. Il paraît que même il y a des applications qu'on met sur le téléphone de l'autre. Mmh. Et pour avoir tout le téléphone chez toi. Voilà, tout ce qu'il fait là, tu as sur ton téléphone. Le jour où la personne va découvrir, ce sera la rupture. Donc le téléphone qui est fait pour vous faciliter la communication, vous l'utilisez dans un sens qui ne vous permette pas d'évoluer normalement. Donc nous devons apprendre à nous faire confiance. Et si le conjoint veut te dire certaines choses, qu'il te dise, parce qu'on est venu dans le couple individuellement. Hein, chacun a sa personnalité avant de mettre chacun ses personnalités ensemble. Donc il va falloir qu'on apprenne à respecter l'autre dans son unité et à savoir quand mettre ensemble. Mm-hmm. Lise, tu permets, je vais aller à l'encontre de ce que dit par monsieur. Par rapport au téléphone? Oui, par rapport au téléphone. C'est vrai que l'autre doit être respecté, c'est vrai que le téléphone est personnel, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour cacher le téléphone et cacher tout ce qui se fait derrière? Non. Non, il n'a pas dit de cacher. Oui, il ne faut pas cacher, mais chercher à regarder si l'autre ne se reproche rien. Bon, je ne trouve pas pourquoi il ne faut pas regarder. Sur cette question, les avis vont toujours continuer par diverger. D'aucun dira... S'il n'a rien à se reprocher, le téléphone, disons que c'est comme une télécommande, hein. Tout le monde prend et puis tout le monde dépose. Voilà, parce que les avis vont forcément diverger. On va se dire, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que mon corps? Mon corps, tu le connais en entier, de fond en comble. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le téléphone qu'on ne peut pas toucher. L'autre va dire non. Et puis en même temps, pour être raisonnable, pour être réaliste, qu'est-ce que tu donnes plus confiance à l'autre. Oui, Je crois qu'il ne faut pas cacher le téléphone. Non, il ne faut pas cacher le téléphone, c'est clair. Donc que ce soit une option, que la personne veuille voir ou pas, que ce soit une option... Mais qu'on ne dise pas que la personne doit forcément voir, qu'elle ne doit pas forcément voir, mais que ce soit peut-être une option. Mais après, quand tu sais que ce que tu vas voir dans le téléphone, ça va te faire mal. Si toi aussi tu cherches à voir et puis tu as mal, qui a mal? C'est que des fois, tu ne sais pas que ça va te faire mal. Aha. Donc, c'est pour ça que vous dites en amont de se préserver. Préserve-toi. Au-delà. S'il doit te parler, il va te parler. Il dit, tu sais qui m'a appelé. Donc, laisse-lui ce temps-là. C'est ça. Qu'il garde ça pour lui. Un jardin secret. Il paraît que... Il faut le respecter dans ce sens-là. Dans le couple, tout le monde doit peut-être pouvoir préserver un petit jardin, oui. Etc. Mais le débat n'est pas sur ce point précis, mais sur l'utilisation que nous faisons du téléphone dans le couple. Donc, se dire peut-être, si nous voulons déjà donner des pistes au couple qui n'arrive pas à se séparer, de se poser la question de savoir si je laisse mon téléphone pour une soirée à passer en famille, est-ce que la terre va arrêter de tourner, peut-être par exemple? Non. De se dire, dans mon salon, quand je suis avec ma femme et mes enfants, personne n'est au téléphone, on passe le moment ensemble. À se découvrir, oui. À se connaître, peut-être. Ou alors que le téléphone ne va pas au lit. On peut se mettre peut-être des restrictions de ce genre. Le téléphone ne va pas dans la chambre. Des principes que tout le monde est d'accord de respecter. On s'entend dessus, le téléphone ne franchit pas le cap de la chambre à coucher. Ou alors, s'il rentre en chambre, c'est qu'il est sur silence. Après, je verrai qu'il m'a appelé, je rappellerai. Peut-être, c'est à chacun peut-être de définir les principes. De l'utilisation du portable. Voilà. Si on se rend compte que le portable est un problème dans le couple, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Mmh. Si le portable est votre parasite, si c'est la télé qui est le parasite, on fait comment? Il y a des heures de vision de la télé. Il y a des heures, 2 heures de temps. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse, peut-être que ça va interpeller plus d'un, surtout l'utilisation de la télé. Lorsque la télé est permanemment allumée pour les enfants, surtout les enfants du primaire... C'est la psychologue qui parle. Hein. Lorsque la télé est permanemment allumée pour les enfants, ça affaiblit leur faculté intellectuelle. Ça les affaiblit intellectuellement. Il paraît qu'ils ne se concentrent plus vraiment. Ils ne se concentrent plus et ils ne sont plus créatifs. La télé leur donne, ils sont tout le temps réceptifs. Ils n'ont pas appris à développer le raisonnement, le sens de la réflexion. Mm-hmm. Ça les affaiblit et ça les empêche surtout de faire les matières scientifiques. Ah, quand les enfants suivent trop la télévision? Trop la télé, oui. Ils sont tellement passifs
que ça, ils n'ont plus de créativité. Ils ne sont plus éveillés, ça les empêche de faire les matières scientifiques. La science, ça nécessite de la concentration et de l'éveil, de la créativité en fait. Donc quand ils suivent trop la télé, c'est pas bien. Donc déjà il faut limiter le temps de la télé. Deux heures de temps, une heure et demie de temps pour les enfants à la télé, c'est largement suffisant. Le reste du temps, ils peuvent passer le temps à entre eux, à se connaître, à s'amuser. Les anciens jeux que nous faisions, on faisait les jeux, on jouait au ballon, au moment où il n'y avait pas le téléphone. On sociabilisait vraiment beaucoup. On était sociable. Donc, l'enfant est introverti et il ne développe pas les facultés de réflexion. C'est pareil peut-être pour nous aussi, hein, les grands, la femme et l'homme qui se tapent devant la télé. Quelqu'un dit, si moi je suis à la maison, il y a un match. Toute la maison sait que le sourire n'est pas là. Quelqu'un dit, c'est les feuilletons, c'est les télénovelas. Tout le monde est accro à quelque chose. Mais après, est-ce qu'on ne doit pas, comme l'avait dit quelqu'un qui a réagi dans le micro Totois, est-ce que ce n'est pas permis de se donner de petits plaisirs comme ça? Si j'adore suivre une série, je suis devant ma série, je la suis, ma série, et puis l'autre n'existe plus. Tout part de la communication et d'un compromis. On peut s'entendre. Après ton match, je peux suivre mon feuilleton. On peut après le feuilleton, oui, on peut négocier. Après le feuilleton, il y a un match, ou après le match, il y a un feuilleton. Bon, on s'entend pour... Bien dire que le feuilleton va le repasser encore dans deux heures ou bien demain. Alors que le foot, quand on joue maintenant, c'est raté. Donc, vous négociez. Tout part d'un compromis et d'une communication saine. C'est ça. Une communication dans le respect. Comme si l'autre se sente lésé par un chef ou bien par un dictateur. Un dictateur, oui. Il faut toujours négocier. Et au-delà de ces moments que l'on s'offre à soi, quelqu'un qui s'offre son moment de film ou de série, quelqu'un qui s'offre son moment de football, il faut qu'on n'oublie pas de s'offrir des moments ensemble. Oui. Ah oui. Très important. Oui. Dans la même journée, si on s'offre tout ça, il faut... Ou alors, je pose la question, est-ce que c'est par jour ou bien c'est hebdomadairement que l'on doit, ce qu'on dit là, se consacrer du temps pour soi, pour nous deux? Non, vous ne pourrez pas choisir le jour compte tenu du travail qu'on fait actuellement. Mais s'il arrivait qu'à un moment donné, vous deux, vous êtes ensemble au salon et qu'un de vous, moi je sais que ma femme n'aime pas le football, et si on ne joue pas, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose que nous deux, on peut regarder et discuter après? Et oui, parce qu'il y a des documentaires qu'elle aime. Je peux demander qu'elle mette ça et que nous réfléchissions ensemble sur... Donc, ce moment-là, ce sera un moment de partage avec nous. Et avec les enfants même. Parce que nos enfants, quand ils entrent, ils savent qui est en train de suivre. Si c'est maman qui n'est même pas au salon, ils savent que c'est maman qui est là, qui suit le documentaire. C'est elle qui suit les documentaires. Donc, quand on vient, on voit football, c'est papa. Donc, on peut ne pas être au salon. Ils savent. Donc, de ces moments-là, on fait plaisir à l'autre en restant à côté d'elle pour suivre, même si on ne comprend pas. En étant à côté d'elle, vous communiquez sans bavarder. Il y a des petits gestes, il y a des choses à faire ensemble qui feront plaisir. C'est ça. Donc, c'est important qu'à deux aussi, on trouve des occasions pour rester devant la télé, partager. C'est ça. Alors, si ces outils sont utilisés de ces façons, ils deviennent moins des parasites. C'est des accompagnateurs, c'est peut-être des catalyseurs de la cohésion du couple. C'est ça. Hein. C'est complètement ça. Donc, comme on le dit, tout est question de communication, tout est question de négociation. Il y a d'autres parasites encore. J'ai rencontré une dame qui dit qu'elle a un problème avec son mari, qu'elle, son parasite, c'est un ami à son mari. Elle dira pas que son mari voit une femme, son mari la trompe, elle n'en sait rien, mais que son mari lui impose un ami, elle ne peut pas s'en sortir. Que le mari est tout le temps avec lui, des fois même pour des sorties resto, le mari va embarquer cet ami en question, que l'ami est chez eux, ou alors si l'ami n'est pas chez eux, c'est que le mari est chez l'ami.
Et le mari ne trouve pas de problème. Il dit, bah, je ne suis pas chez une fille, je suis chez mon ami. Et qu'est-ce qui t'emmerde? Elle me dit qu'elle, son parasite de couple, c'est cette amie de son mari. Et qu'elle ne comprend pas que l'ami ne comprenne pas qui leur crée des problèmes, en fait. Monsieur Rienio, devant cette situation. Oui. Quel est l'objectif de leur contrat de vivre ensemble? Est-ce que ils sont venus dans le couple pour vivre pour un ami? Parce que quand on quitte nos différents services, l'envie qui nous prend, c'est d'aller rester avec mon conjoint. Normalement. Normalement. Et donc, quand ça arrive et que tu n'es pas d'accord, il faut l'exprimer. C'est là où le jeu entre en jeu. Ce que tu veux, il faut le dire. Peut-être pas une fois, pas deux fois. Mais il faut savoir le dire. Un jour, l'autre va comprendre. Et quand il comprend, il pose l'acte. Il faut que tu sois reconnaissante pour approuver ou bien pour le féliciter. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas causé avec... Il m'a dit, mais je lui dis que son mari prend le pas sur nous. Il dit comment, il trouve pas, c'est la meilleure manière. Qu'il se fasse consulter par les psychologues. Non, mais le mari aussi doit se rendre compte. Il faut qu'il sache que quelqu'un prend quelque chose et quelqu'un prend le pas sur... Tout dépend de l'objectif qu'il visait en se mariant. Si, pour lui, c'est que la femme, on dise qu'il est âgé, il doit se marier, il s'est marié. Ça lui suffit. Il a une femme. Et il s'est dit qu'il ne va pas faire des bêtises. Mais on ne peut pas l'empêcher d'aller voir les amis. Tu vois? Donc, quand il conçoit la chose de cette manière, ce serait difficile de lui enlever ça de la tête. Ça a besoin d'aide, d'accompagnement jusqu'à un certain niveau pour qu'il arrive à comprendre et à poser l'acte qu'il faut. Moi, je me dis même que si le mari est plus à l'aise avec l'ami, c'est qu'à la maison, il y a un souci. Oui. Ça sous-entend un souci. Mais si la femme s'en plaint comme ça, et puis le dit au mari, le mari peut-être devrait être ouvert et dire à la femme pourquoi il préfère être dehors. Ce n'est pas aisé à tout le monde d'être ouvert. Mais peut-être qu'elle ne sait pas, comment ce problème sera résolu finalement. Mais elle s'en plaint, ça dit que c'est... c'est comme si elle m'attendait, quoi. Elle s'en plaint mal. Elle dit non, c'est pas possible. Il faut voir son état. Elle était désemparée en parlant. Bon, il faut peut-être discuter avec le mari. Sinon, si elle ne peut pas engager une discussion avec le mari et avoir les informations qu'elle désire, quelqu'un d'autre peut le faire à sa place. On peut déléguer quelqu'un pour discuter avec le mari. Sinon, même demander à l'ami. Quand tu es avec le monsieur, de quoi est-ce que vous parlez? Quels sont vos grands moments? Et puis, si tu es aujourd'hui même compagnon homme-homme, là même, ce n'est pas... Mais ce que madame vient de dire me donne des idées. Hein. Ouais. Il se peut que l'homme n'a pas satisfaction à la maison. Oui. Mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Donc, il faut l'aider à l'exprimer. On peut aider l'homme ou bien la femme à voir ce que l'homme aimait et que peut-être elle n'arrive pas à faire maintenant. Ou bien faire cette enquête pour savoir qu'est-ce qu'ils font quand les deux amis sont ensemble. Parce qu'elle dit même invitation, soirée, resto, dîner entre couples. Il embarque l'ami, même au resto. Alors que sa femme est là. Même au resto. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un souci. Oh, mais là, c'est à la femme, je lui ai promis de suivre l'émission. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Je sais pas. Elle peut essayer de discuter. Elle peut parler avec l'ami. Elle peut déléguer quelqu'un pour discuter avec son mari. Elle a ces trois options-là. Bon, tout repose sur discuter, communiquer, madame. Beaucoup de courage à vous. Essayez de vous poser des questions. Je sais pas. De creuser dans le passé de votre mari pour voir peut-être qu'est-ce qu'il aime et que vous n'arrivez pas à lui donner, je ne sais pas. Ou peut-être qu'est-ce que je fais qu'il le chasse de la maison. Peut-être qu'il veut voir le foot. Avec l'ami, c'est plus facile pour lui de voir le foot sans être contrarié. C'est ça. Alors qu'à la maison, il n'y a que le feuilleton.
Il ne veut pas vous empêcher de suivre votre feuilleton, il vous laisse. Il n'y a pas moyen de prendre la télécommande parce qu'il y a un feuilleton qui passe pour madame. Peut-être que ça le chasse. Avec l'autre, il est à l'aise, il n'y a pas de contrariété. C'est possible. Allez, ouvrez-vous, posez-lui toutes les questions. Hein. Posez-lui toutes les questions, ça dépend du ton. Dites-lui, il faut qu'on parle et puis voilà, discutez quoi, discutez vraiment. Pas seulement du ton, hein, du moment également. Du moment également choisi. Si voilà. à midi, il est fatigué, tu lui poses cette question. Non, sérieusement. Je ne pense pas qu'il sera en mesure de donner les bonnes réponses. Après un bon repas, quand vous sentez qu'il est détendu, s'il est détendu hein, vous lui passez un peu la main sur la tête et sur la poitrine et puis vous engagez la discussion. Au-delà de l'ami, il y a aussi la famille des fois. Une belle-mère, une belle-sœur, des gens qui s'incrustent et tout le temps, je ne sais pas, qui peuvent être un peu trop lourds, hein, monsieur Hianyon. Oui. Ce cas ce sont des cas qu'on note maintenant beaucoup où la belle famille intervient dans le couple. C'est pour ceux qui sont chrétiens. Sur l'institution personnelle, très souvent dit monsieur. Parce que sinon. Non, c'est que ça part du fait que les hommes ne sont. Bon, le couple même n'est pas préparé au mariage. Au mariage. Et donc, devant certains petits problèmes, l'homme. Il fait appel rapidement. Rapidement à soit sa mère, ou le plus souvent c'est à sa mère, qui intervient et qui prend ça comme habitude, croyant qu'il est en train d'aider son fils. Alors, il fait mal à la femme. Il fait mal à la femme. Donc, il y a ce besoin que certains hommes ont, mais qui n'arrivent pas à partager avec leurs femmes. Donc, j'insiste toujours sur la préparation avant d'entrer dans le mariage. C'est important. C'est clair. Tout cela doit être défini avant. Comment ? La relation que vous aurez avec votre parents, passé, avec la belle, avec la vos belle parents, famille. Avec vos amis. Et quand tout ça, oui, ça doit rentrer. Vous avez défini que tes parents vont au-delà, c'est à toi de régler, ce n'est pas la femme. Ouais, ce n'est pas la femme, c'est à toi de régler. Et quand tu n'arrives pas que la femme est dépassée un jour et qu'elle parle, c'est toi qui es responsable. Ouais. Donc, il faut que vous sachiez dès le départ comment vous allez. Moi, je connais des couples où la belle famille est traitée autrement. C'est dit, on veut offrir, par exemple, à la belle famille, c'est l'autre. Le monsieur peut acheter. Mais il donne à l'autre conjoint, c'est l'autre conjoint qui apporte. Ouais. Tellement qu'on le respecte dans son couple. Et donc, on ne cherchera pas à venir demander contre parce qu'on croit qu'il s'occupe bien de leur enfant. C'est donc, il y a des techniques à utiliser pour se faire accepter. Des fois, c'est ça. Parce que la belle-mère n'a pas confiance en la femme et donc veut protéger son fils. Voilà. Et donc, elles ne le font pas de façon méchante. Oui, ce n'est pas de la malveillance à la base, mais après, ça ne donne pas de bons résultats, oui. Pour ajouter à ce que M. Hianyon a dit, au-delà de la préparation, moi, je parlerai plutôt de la maturité. Il faut que des gens matures se marient. Il ne faut pas avoir 40 ans et avoir une mentalité d'un enfant de 10 ans. Nous avons, nous avons des adultes enfants. Oui. Et des adultes malades aussi. Je suis d'accord. Il faut se marier par maturité et non par exigence. Par maturité, oui. Et aussi, dans le même sens que M. Ahiagnon, si la belle famille intervient tout le temps dans le foyer, c'est parce que leur enfant le permet. C'est ça. C'est, si la belle famille manque de respect à un conjoint, c'est parce que l'enfant a parlé, a dit quelque chose, a présenté un tableau à la famille qui lui donne le droit de... Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas t'attaquer. C'est clair. Par quel moyen il le ferait? Donc, si quelqu'un t'attaque, c'est parce que quelqu'un de proche à toi a dû te livrer. Oui. Donc, se marier par maturité, ça empêche également le conjoint de tout le temps faire recours à la famille pour régler ses problèmes. Il doit pouvoir régler ses problèmes lui-même. En adulte, lui-même, sinon avec... la personne en conflit. C'est ça. Alors, je me dis peut-être que selon le message d'un téléspectateur, un des parasites aussi, c'est peut-être le passé. Il dit, moi, tout ce que mon mari sait de moi, comme passé, il se réfère à ça pour m'insulter. Je préfère maintenant ne plus rien lui dire.
C'est effectivement, c'est le danger. Le danger, le mari n'a pas compris que ces informations du passé de sa femme, c'est pour permettre d'avoir un ciment pour leur relation. Elle l'utilise pour faire mal. Et voilà, la femme a pris une décision, elle ne va plus communiquer, elle ne va plus dire des choses. Alors que c'est important. C'est très important. De, oui, de savoir ce que ta femme a vécu dans le passé. Passé pour... Ça te permet de comprendre ses comportements. Oui, c'est suite à ce que vous aviez dit, pour pouvoir mieux connaître la personnalité de la personne, pour comprendre ses réactions et savoir comment... comment gérer les situations. Et voici ce qui risque de se passer. On ne devrait pas en arriver à ça. Quand l'un d'un conjoint vous confie son passé... maintenant qu'il y a ces risques-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas, on se tait. Il faut également de la maturité pour savoir se contrôler, pour savoir se contrôler devant certaines situations et savoir prendre les bonnes décisions aussi. C'est ça. C'est cette maturité que je vois. C'est vrai ce que vous dites, hein. Mais la société nous impose certaines choses qui font que cette maturité, peut-être il a 25 ans, mais il est mature. Mmh. Ou bien il a 45 ans, mais il se comporte comme un enfant de 18 ans. Et donc, est-ce qu'il doit attendre? Comment on peut mesurer quand il y aura la pression? Il se peut que la personne là ait tout. Sa maison et autres, mais a peur de se marier. Soit par certaines expériences vécues. Ou alors expériences des autres, la personne a peur de sauter le pas. Donc, il y a cette maturité, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Mais c'est attendre à avoir cette maturité pour poser l'acte. C'est ça que je suis en train d'analyser, voir comment on peut le faire. On risque de pousser les gens à faire des bêtises. C'est-à-dire, bon, il sort avec cette fille-là, il dit, bon, il veut vérifier d'abord. Il veut tester. Ou bien évaluer. C'est ça. On ne peut pas évaluer quelqu'un en 6 mois, en 1 an. On peut pas. Toute une vie, on ne finit jamais d'apprendre ou de connaître. Voilà. C'est ça. Et surtout quand quelqu'un veut quelque chose. Si la fille peut-être se dit, si je me comporte bien, on pourra aller au mariage. On va te cacher toutes les faces. Casse beaucoup de choses. Et puis, on saute le pas. Deux mois après le mariage, ça commence. C'est clair. Et le tout ne sort pas au même moment. C'est petit à petit. Ça vient. Après, tu dis, tu me surprends. Je ne t'ai pas connu comme ça. Si je savais que c'est comme ça. Elle a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Moi, ma femme arrive du marché, elle ne fait que somnoler portable en main. Si tu viens du marché, tu es fatigué. C'est un monsieur qui préparait même à manger ses problèmes. J'ai essayé de la faire revenir à la raison en vain. Non, il faut quand même que le devoir conjugal soit rempli. Oui, quoi. Et puis il faut quand même que soi-même, que l'on sache raison garder, quoi. Ouais, et que l'on sache qui est bien, ce qui n'est pas bien, ou bien monsieur... Non, c'est ça. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faudrait que nous soyons conscients que ces outils nous aident, mais qu'on n'exagère pas. Parce que l'autre devant toi, ton conjoint, a besoin de toi à des moments donnés. Peut-être... quand on se donne certaines règles, en une journée, par exemple, tout le monde ferme son portable quelque part pour voir si vous n'allez pas vivre normalement. Qu'on ne devienne pas esclave de l'objet. Malheureusement, c'est ça qu'on vit actuellement. Si tu vois deux, trois, on se déplace. Il y a tellement de réactions déçues. Dames, s'il vous plaît, informez vos camarades sur l'utilisation du téléphone portable. Une dame qui se concentre sur son téléphone et abandonne ou oublie, par exemple, qu'elle doit prendre soin de son enfant. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu de problème avec madame, si ce n'est pas affaire de téléphone. Mais elle ne comprend jamais. Bonne émission. Oui, il y a plein de réactions qui viennent. Mais est-ce que, pour vous qui parlez de cela, pour vous qui dites que vos femmes sont tout le temps sur téléphone, vous-même, comment faites-vous? Est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu sur téléphone? Est-ce que vous, c'est autorisé que vous soyez sur le téléphone et elle, non? Si c'est ça le schéma, ça ne va pas marcher. Il faut peut-être que vous montriez l'exemple. Parce que je vois mal peut-être une femme être concentrée sur son téléphone alors que peut-être le mari n'a pas son téléphone et est assis et dans l'optique peut-être de discuter et qu'elle soit plongée dans le téléphone. Je ne crois pas que ce puisse être possible. Soit le monsieur est dedans aussi. Il lit.
soit oui. Le journal ou bien ici un match. Et voilà. La femme a pris l'habitude. De regarder son téléphone. C'est pour trouver une solution à cela que la femme solitude. A commencé et c'est devenu l'habitude. Donc, si l'homme constate qu'effectivement, dans le passé, c'est comme ça qu'il s'est comporté et que la femme est maintenant dans cet état, c'est à lui de l'aider. Voilà. Il dit, bon. Des fois, quand tu vas commencer par laisser tomber tes habitudes passées qui ont poussé, parce qu'il faut faire une analyse à ton niveau d'abord, si tu reconnais ça et que tu commences par corriger petit à petit, la femme va changer. Elle va changer, c'est cela. Tu n'as pas besoin de lui dire. Parce que si vous devez être plongé dans votre téléphone et que vous lui interdisez à elle de ne pas être sur ton téléphone, elle pourra vous dire, je discute avec qui moi ? Oui, c'est parce que le monsieur était absent. Qu'elle a trouvé compagnie. Elle a trouvé compagnie avec le téléphone. Et c'est devenu l'habitude. C'est devenu une habitude. Et dans un couple comme ça, si vous avez des enfants, c'est eux qui en pâtissent aussi parce qu'ils copient sur vous. Voilà. C'est quand même compliqué. Non. C'est... non seulement ils copient, mais il n'y a pas cette relation de sociabilité. Qu'est-ce qu'on leur apprend ? C'est à travers l'échange quotidien que les enfants apprennent des parents. Quand il n'y a pas cet échange-là, vous êtes tout le temps au boulot. Vous êtes au boulot toute la journée. Et le peu de temps que vous êtes à la maison, vous devez passer avec eux, vous êtes au téléphone. Il n'y a pas d'échange. Ma fille, mon enfant, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ? Quels sont tes amis ? Quelles sont les notes que tu as eues ? Qu'est-ce que le professeur a dit ? Quelle a été la meilleure partie de ta journée ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Il n'y a pas d'échange. Ou alors même, après avoir discuté, ou alors même si vous ne discutez pas avec l'enfant, que l'enfant peut-être vous voit avec un livre en main, en train de lire que le téléphone. Parce que on copie les enfants, copie sur les parents. Vous avez dit que l'enfant ne lit pas. L'enfant ne lit pas. Je vous dirais que la meilleure façon d'aider un enfant à apprendre la lecture, c'est de lire devant lui. Ou carrément de l'initier. Mais vous le faites et il copie. C'est ça. Oui, vous ne pouvez pas lui dire de lire pendant que vous-même, vous ne le faites pas. C'est ça. Alors moi, je suis dans une pièce avec ma femme et chaque jour, ma belle-mère dort avec nous. Je suis gênée. Elle a un chien qui n'est pas loin. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros parasite du couple, ça. Il faut que chacun, à son niveau, doit se poser des questions. Surtout si elle a un chien qui n'est pas loin. Ça ne se comprend pas. Peut-être qu'elle veut empêcher quelque chose. C'est aussi possible, mais on doit le lui interdire. Oui. Oui. Il faut qu'elle sache que... C'est voilà, pas sa place. C'est une chambre et la belle-mère vient dormir là-bas, non ? C'est pas possible. Belle-mère, il faut s'y lancer autrement. Moi, le téléphone parasite mon couple, car mon ami, dès son retour du boulot, s'accroche qu'à son téléphone, même à table, il manipule jusqu'à ce que tu lui parles, il t'ignore. Le pire, même au lit, pour raison qu'il n'avait pas le temps de toucher à son téléphone dans la journée, quand il travaille. Vous avez pu sacrifier votre téléphone pour le travail, vous ne pensez pas que c'est important de le sacrifier pour votre famille, monsieur Gagnon, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave qu'on prenne la chose de cette manière. Ce n'est pas parce que toute la journée, on n'a pas pu consulter son téléphone que c'est à la maison, le temps où on doit discuter avec sa famille, être ensemble, qu'on va... Ça veut dire qu'on décide de sacrifier les autres membres de la famille. Et aujourd'hui, on ne voit pas le risque qu'on encourt. Mais les années à venir, ça sera catastrophique. Il peut s'organiser. Oui. Il peut s'organiser pour consulter son téléphone. Il a peut-être la pause de midi. Il ne peut pas nous dire qu'il travaille de 7h à 18h sans pause. À la pause, il peut consulter son téléphone et s'organiser pour consacrer quand même un temps à la maison, mais à la famille. À la maison, quand tu rentres, tu passes un bout de temps parce que madame peut savoir que tu passes 1 heure, 2 heures, machin, du temps sur le téléphone. Et qu'après, tu as du temps pour la famille, tu as du temps pour madame et les enfants. Parce que c'est parce qu'on n'a pas le temps pour eux que ça se plaît. Oui. Si il y avait un bout de temps, attention. L'église de nos jours peut être parasite du couple de la famille aussi. C'est vrai, non, Michel. On est en train de chuter ça. Non. L'église, oui. Les veilles de prière, elles n'ont pas fini. Les campagnes, la semaine. Je suis d'accord quand on le prend sous un angle donné. Je prends par exemple certains couples qui cherchent l'enfant et que la femme va à la séance de prière. Comment ils peuvent avoir l'enfant ?
Comment ils peuvent avoir l'enfant si ils prennent tout le temps. Dieu tout le temps. Ils font peut-être un traitement. Ils font peut-être un traitement. Ils font un traitement et au moment où de travailler, la femme est à l'église. À l'église, non, c'est vrai, ça cause des problèmes dans certains couples où la femme oublie même ses devoirs. Oui. Elle dit, ah, séance de prière, elle part, elle laisse. Elle ne fait pas manger, par non. exemple. Elle Donc, laisse la maison. Elle est convaincue que ce qu'elle est en train de faire est mieux par rapport à ce qu'elle devait faire à la maison. Et ce n'est pas étonnant que de ces couples, on ne commence pas à voir que l'homme ne commence pas à avoir des secours ailleurs. Donc, nos attitudes provoquent des conséquences que nous supportons plus tard. C'est ça. Donc, faisons attention. Quand on exagère sur quelque chose consciencieusement, on sait qu'on exagère, non? Bien sûr, on le sait. On sait qu'on exagère. Et par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y ait un conseil à donner. Si la personne est adulte et est consciente, elle doit savoir que le prêtre ou le pasteur n'est pas plus important que le mari à la maison. Mm-hmm. C'est clair. Oui. Autant elle veut être à jour à l'église et respecter ses prérogatives à l'église, autant la maison également besoin d'elle. Oui, c'est très important autant d'ailleurs. La maison a besoin d'elle. L'église a commencé par la famille. Mm-hmm. Avant de fonder l'église, Dieu a d'abord fondé la famille. Donc, le mal qu'il y a à la maison, si ce n'est pas réparé, ça peut être transposé à l'église. C'est clair. Oui, il faut équilibrer la maison avant de chercher les bénédictions divines. Alors, s'il y a des problèmes dans votre couple, forcément, posez-vous la question, qu'est-ce qui crée le problème? Qu'est-ce qui apporte le conflit dans le couple? Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Bon, déjà, identifier le conflit, que c'est ça. Et quand on identifie le conflit, on ne ramène pas forcément tout le tort à l'autre. Non. Mais comme vous dites, se demander qu'est-ce que j'ai fait pour favoriser la survenue de cette crise-là. Tout à fait. Et après, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe? Ou bien tout à fait. Poser la question, toujours communiquer. Et quand on a un monsieur ou alors un partenaire, une femme par qui le parasite passe beaucoup plus, avoir le courage de le faire asseoir, discuter, s'exprimer clairement, calmement, choisir les meilleures conditions et que l'autre partenaire aussi comprenne. Alors quand on est un conjoint et que votre conjoint vous alerte sur un état de choses, comprendre et puis réagir, se dire que c'est parce que le partenaire est à bout, ou bien. C'est ça. C'est un aspect de l'amour. Quand la personne exprime ses besoins et que vous êtes censé l'aimer, ça veut dire que vous devez l'aider à combler ce besoin. C'est ça. Malheureusement, on vit pour soi, on oublie l'autre, on voudrait que l'autre fasse notre bonheur. Allez. Il faut changer, hein, Monsieur Kokou Guy Ariagno, formateur en gestion de conflits. Pour finir, qu'est-ce que vous nous direz? Bien, les conflits, ça existerait toujours. Mais pour en sortir, il faut développer une bonne communication et être patient ou bien exprimer ses besoins le plus calmement possible pour que nos tons, nos réactions ne provoquent pas autre chose chez l'autre. C'est ça. Et on a fini, hein, quelqu'un demande, est-ce que la femme peut utiliser le numéro qu'elle utilise avant le mariage? Bon, je ne sais pas. Il n'y a aucun rapport. Que la femme avait un numéro de téléphone avant, et puis maintenant qu'on se marie, est-ce qu'elle peut continuer à utiliser le même numéro de téléphone? Si elle a déposé sur des dossiers qu'elle a... Non, arrêtons de rigoler. Bon, et puis ça dépend, hein, c'est mon opinion que je donne, je ne suis pas autorisée à le donner. Mais après, ça dépend de la femme. Si elle veut changer, elle change, mais vous ne lui imposez pas. En quoi est-ce que le numéro fait problème? Bon, je ne sais pas trop. Il faudrait qu'elle l'explique. Mais si vous voulez changer, vous changez. Mais si vous ne voulez pas changer, c'est à la femme. Vous vous entendez. On a dit communication, vous vous entendez. Alors, Madame Kosiwa Passiatou, épouse à Bolo Seovi, psychologue et coach en développement personnel. Pour finir, qu'est-ce que vous nous direz? Il faut que chaque couple identifie les parasites qui entravent le bien-être, l'équilibre et l'épanouissement de son couple. Oui. Il faut que chaque couple essaie de gérer les parasites au mieux pour que le couple puisse être épanoui.
en changeant toujours son tort, qu'est-ce que je peux améliorer pour que le parasite ne survive pas, ou bien? Oui, être conscient d'abord et faire de son mieux, ça dépend du parasite, hein, le conseil dépendra du parasite, faire de son mieux pour l'équilibre du couple. Et je vais finir sur une citation de Socrate qui dit « Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous serez philosophe. Vous deviendrez philosophe. Et c'est ce qui est excellent pour l'homme. Dans tous les cas, mariez-vous. Dans tous les cas, mariez-vous. Dans tous les cas, aimez-vous. Aimez-vous. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans ce salon pour discuter. On a posé le débat chez vous. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui parasite mon couple? Essayez de trouver les meilleures réponses et vivez heureux. Au revoir. Et on se retrouve le premier jeudi du mois de juin. Bye bye.